Yup les gars, c'est Jérémy du groupe Réception du jour et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, alors un peu en retard je sais, où je présentais deux nouveaux articles. Ça fait donc du coup un petit moment que j'ai un t-shirt new designer et puis un t-shirt new designer, pardon, un pull new designer ou un suit, c'est comme vous voulez, et un t-shirt blanc, c'est pas celui que j'ai sur moi, c'est un autre dans un magasin qui est ouvert par un de chez moi. Donc voilà, allez, à tout de suite. Et donc on se retrouve pour le premier pull, donc la marque. C'est une designer Paris taille L. Donc c'est un suite zippé. J'ai payé 69€ pour ceux qui veulent savoir le prix. Manche en simili-cuir. Alors je sais pas si vous allez bien voir la différence, vous voyez. C'est du très bon simili-cuir, hein. C'est pas du simili-cuir de marché, franchement. Parce que bon, j'ai déjà. C'est rare que j'achète du simili-cuir parce que j'aime pas trop la qualité. Mais sur ce coup-là, je dois avouer que je suis plutôt satisfait. Très bonne qualité. Donc voilà. Donc je vais l'essayer. C'est parti. Voilà. Alors, il est franchement très beau. Il tient chaud en plus, c'est sa pierre, je pensais pas, les manches en simili-cuir tiennent quand même assez chaud. Bon, ici on a des zips qui peuvent complètement s'ouvrir, bon, je vais pas vous montrer, mais vous voyez, ils peuvent complètement s'ouvrir. Donc voilà, je trouve assez beau. Bon, 69€, je vous avoue, ça fait quand même assez mal pour un pull, mais voilà, je suis assez content de l'achat. Allez, c'est parti, on passe tout de suite pour le t-shirt. A tout de suite. Alors, cette fois-ci, c'est un t-shirt blanc. J'ai payé 15€, enfin ils appellent pas ça oversize, mais moi j'appelle ça oversize. Alors attention, c'est très choquant, voilà le t-shirt. Il est extrêmement petit, enfin il est très fin à voir, mais il est très serrant. C'est ça que j'aime bien, c'est vraiment moulant comme ça, ça fait genre qu'on a un petit peu plus de muscle, vous voyez, ça fait genre qu'on en a un peu plus quoi. Mais non, franchement je trouve assez bien. Moi je vais le mettre et puis je vais vous montrer ça. Et c'est du taille taille S, ça a pas de marque, hein. Pour ceux qui veulent savoir, il n'y a pas de marque. Juste un taille S, taille S. Voilà, tout de suite. Alors voilà, je vous ai prévenu, c'est vraiment très très serrant. Donc voilà, donc je suis assez content, hein, il est très beau. Alors, je vais essayer de vous montrer parce qu'il descend quand même relativement bas. Attendez, je vais essayer de, je sais pas si vous allez voir. Vous voyez, il descend quand même relativement bas. Et j'aime plutôt bien, franchement. Bon, c'est juste qu'après, bon. Un petit peu en bas, mais bon, ça c'est pas grave, mais voilà, je trouve quand même assez bien l'ensemble. Donc voilà, donc c'était tout pour cette dernière vidéo du coup. Donc il y en aura sûrement une à Noël parce que je reçois un pantalon aussi jaune que Clémento tu connais, parce que c'est celui que tu avais vu en rouge, mais moi je le prends en noir. Donc merci, parce que je connais, j'avais pas du tout vu ce pantalon, il est très bien. Et prochain achat aussi un Nikon D3200, donc pour faire les vidéos pour Clémento, ce sera déjà beaucoup mieux pour les présentations et tout. Donc, vu que c'est réception du jour sa chaîne, je vais sûrement faire une vidéo parce que c'est une réception. Voilà, allez les gens, ciao. Damn les gens, j'espère que vous allez bien. C'est Jérémy, du groupe Réception du jour. Et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui les gars, on est là pour du sérieux. On est là pour en imposer. On est là pour... Attendez. On est là pour quoi déjà? Oui, sérieusement les gars, aujourd'hui on va vous présenter, enfin je vais vous présenter personnellement un pull que j'ai acheté il y a pas si longtemps que ça à New Look à Lille. Donc je sais pas si certains d'entre vous connaissent, donc si vous connaissez, c'est un petit magasin au niveau de Lille, donc que je trouve sympa, que je connaissais pas, et j'ai décidé d'y acheter un pull que je vais vous présenter donc maintenant. Allez, à tout de suite. Boom. Et voilà le pull. Alors c'est un pull assez large, donc je me mets debout après. Vous voyez, il est quand même assez large, pourtant c'est ma taille, donc j'aime bien ce style là, c'est un style quand même assez américain, donc c'est pour ça que j'aime bien. Vous faites pas attention, j'ai mon t-shirt en dessous, donc voilà. Donc je vais vous présenter debout tout de suite ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Et voilà, donc le pull, vous voyez, quand même assez large. Moi je le trouve très beau, hein, franchement. Je sais pas, mais ça, je crois que j'ai payé 15 ou 20 euros, je sais plus du tout. Ouais, je crois que c'était 15 ou 20 euros. Donc voilà, là j'ai mis un jean noir avec. Donc voilà, je trouve que ça passe très bien si vous avez une petite chienne à mettre, histoire de décorer un petit peu le pull qui fait un peu vide, mais qui passe vraiment avec tout, je trouve. Donc voilà. Et c'est déjà fini pour cette vidéo, donc j'espère que ça vous a plu. En tout cas, nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez les gars, ciao. Yop les gens, c'est Jérémy du groupe Réception du jour. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite commande que j'ai reçue. Enfin, commande. Je ne peux pas appeler ça une commande parce qu'on me l'a donnée, mais bon, j'en cherchais aussi. Enfin, j'ai dit à cette personne qui me les a donné que j'en recherchais, donc elle me les a achetés.
C'est les chaussures que je vous présentais, que voici. Donc, des chaussures montantes. Donc, ce ne sont pas les Timberland, malheureusement. Mais bon, voilà, je veux dire, elles passent. Enfin, je trouve qu'elles passent encore mieux que des Timber. Parce que le détail est. C'est quand même une bonne finition, je trouve. Sinon, là, donc, je vais vous montrer au niveau des coutures. Vous voyez, la finition elle est quand même relativement bonne. Il n'y a rien à dire dessus. Donc, elles tiennent très bien. Bon, elles sont assez lourdes aussi, quand même. Le poids est assez conséquent dessus. Donc, je vais les mettre. Je vous montre avec quoi il faudrait. Enfin, avec quoi vaut mieux les mettre et avec quoi faut éviter de mettre, tout simplement. Parce que ces genres de chaussures-là, faut savoir, ça passe pas vraiment avec tout. Allez, tout de suite. Donc, on commence tout d'abord avec un jean slim. Je vais vous présenter plusieurs possibilités. Donc là, on est sur un jean, je sais pas, style un peu délavé, noir, que je trouve pas mal. Donc ça passe relativement bien avec, je trouve. Regardez, vous voyez, ça passe relativement bien. Voilà, on se retrouve tout de suite avec le deuxième jean. Là, on se retrouve maintenant avec un jean un peu plus classique, un jean bleu. Donc pour les références, le jean d'avant, je sais même plus, je crois que c'est Kirby. Ça fait un bail que je l'avais sur. Celui-là, c'est Cool Cat. Donc là, franchement, je trouve que ça passe super bien. Vous voyez, franchement, le bleu, il ressort super bien avec le marron des chaussures. Donc franchement, moi, je vous conseille de chercher des chaussures comme ça. Donc je peux pas vous dire où je les ai vues, par contre, sur eBay. Pour ceux qui sont intéressés, sinon vous pouvez toujours acheter les Timberland, mais ça je les ai vus sur eBay à je crois 30$, un truc comme ça. Bon, on se retrouve tout de suite pour voir justement avec Asorel ce que ça donne. Allez, tout de suite. Bon, chacun son opinion dessus. Moi perso, je trouve que bon, ça passe encore, c'est limite, mais voilà quoi, je veux dire, ça passe encore. Bon, on va pas mettre non plus avec du clair, je pense pas que mon cervelle blanc que j'ai passera avec, mais bon. Pour l'instant, je trouve que ça passe. Bon, pour ceux qui veulent savoir aussi, le suite que j'ai, c'est Asics Gel. Pour ceux qui veulent savoir, au cas où. Donc voilà, je trouve que ça passe plutôt bien. À tout de suite. Et voilà, les gens, c'est déjà terminé pour cette petite réception. Donc, en conclusion, je suis pas déçu. C'est des chaussures qui tiennent vachement chaudes. Je parle de ce style. C'est des chaussures qui sont vachement chaudes, on est très bien à l'aise. Par contre, pour ceux qui ont l'habitude de porter, que ce soit des Nike Air, des Supra, des choses comme ça, ou des Jordan, franchement, quand vous passez sur ça, c'est vraiment très lourd, surtout au niveau de la semelle, je pense. Donc, faut un certain temps d'adaptation, je pense, mais sinon, c'est un très bon produit que je vous conseille d'acheter. Allez, les gens, je vous dis à plus, moi, et à la prochaine vidéo. Salut, c'était Jérémy de Réception du Jour. Salut.